Bonsoir, welcome to the parade, to this jazz festival. Make a lot of noise, oh you lucky people. J'aimerais vous présenter tout l'orchestre. Ce soir au piano, nobody. À la batterie, fucking nobody too. Au Massey Ferguson, Monsieur Massey Ferguson. Alors bonsoir Eric Toulis, on a vraiment passé une super soirée nous ici avec les spectateurs. Et pour vous, comment ça s'est passé? Super, grand plaisir, solo que je fais pas souvent, que je vais refaire pas mal là, donc très encourageant pour la série de solo que je vais faire dans l'avenir là. Et puis lieu insolite, puisqu'on est sous des bâtiments d'une ferme, quoi. Et puis je connais bien cet environnement, puisque j'ai de la famille qui a une ferme, et donc j'ai passé beaucoup de temps dans les fermes quand j'étais ado et tout, donc j'étais parfaitement à mon aise et très content d'être là. On a eu des pannes de courant, il est tombé des cordes, il y a eu des problèmes électriques, mais ça s'est bien passé, on s'est posé sans casser l'avion. Super, vous avez lâché Brahim, là? Brahim a eu un problème là pour venir là, et puis en plus on va cesser de travailler ensemble. Ah bon? Ouais. Ça fait 12 ans qu'on travaillait ensemble, qu'on faisait de la scène, et puis bon bah là on est arrivé au bout d'un truc, tous les deux, c'est comme un couple, comme des amitiés, des fois on se voit moins, des fois on se retrouve, enfin voilà, y a rien de grave, on est toujours très proches et tout, mais voilà. Ok. Vous allez tourner tout seul avec... Il fait du jazz beaucoup, oui. Donc il doit avoir envie de rejouer vachement du jazz et tout, peut-être de laisser un peu le spectacle pour la musique aussi, parce que c'est quand même son truc, quoi. Donc ça peut se comprendre. Voilà. D'accord. Vous allez tourner tout seul avec d'autres musiciens? Alors, je vais faire un spectacle solo, comme j'ai fait ce soir, avec un boulot supplémentaire pour resserrer tout, que ce soit vraiment... mais j'ai vraiment envie de faire du solo. Et à côté de ça, il va y avoir plusieurs... je vais faire plusieurs choses. Je vais faire probablement un duo avec un guitariste que j'adore, qui s'appelle Michel Marcos, qui est à Toulouse. Et je vais faire aussi un duo, je vais aussi faire des spectacles en duo avec le pianiste avec qui j'étais il y a 3-4 ans, Rémi Toulon. Voilà, donc un duo avec un super pianiste et tout, et puis moi, entertainer, machin. Okay. Je dois connaître le pianiste, il faisait partie des musiciens qui vous accompagnaient, ouais, il y a quelques années. Ah, c'est lui qui joue sur l'album Soyons Classe, sur mon album de 2006. Ouais. Alors je confirme. On va se retrouver, voilà, donc ça va être rigolo parce que avec le piano ça va être sympa aussi, parce que ça permet de lâcher la guitare, ça permet d'avoir les mains libres, ça permet de, j'ai envie de dire, de faire des claquettes, de jouer avec son chapeau, quoi. C'est sympa aussi. Ouais. Alors vous venez du jazz, qu'est-ce que vous écoutez régulièrement? Plutôt jazz, plutôt chanson? J'écoute beaucoup de musique très différente. Vraiment, vraiment j'ai une alimentation musicale beaucoup plus variée que celle que j'ingurgite, malheureusement. Ouais. D'accord. Ouais. Il y a du jazz, oui. Mais pas que. Il y a de la chanson, il y a de la world music, il y a de la musique de dingo. Par exemple, moi, j'adore Magma, par exemple. Depuis que je suis gosse, donc de temps en temps j'ai des montées, je me mets l'intégrale de Magma, ça dure une semaine, puis voilà, puis après je peux aussi aimer aller voir, je sais pas, Paco de Lucia ou des Taraf de Haïdouk, des ensembles, des... Mais j'aime bien le spectacle, donc c'est vrai que je vais voir pas mal de spectacles en fait. Et j'écoute pas tant de musique que ça finalement, beaucoup moins, mais je suis pas le seul. Les musiciens écoutent pas forcément des kilos de musique, hein. Parce que nous quand on écoute de la musique, on travaille, quoi. Il y a la cervelle, elle se met en route. Parce qu'on analyse, inconsciemment, t'analyses, tu fais, ah tiens, c'est marrant ce changement de tonalité, ah putain, c'est joli ce son double corde, là, ça va vachement bien dans le pont, maintenant. Donc tu travailles. Donc moi j'écoute plutôt la radio, genre France Inter, j'aime bien les trucs qui parlent. Voilà. D'accord. Alors une petite question piège là-dessus, enfin pas piège, mais connue, sur l'île déserte, vous emmenez 3 disques, vous emmenez lesquels? Sur l'île déserte, j'emmène Louis Armstrong and the Good Book, qui est quand même un truc de fou. J'emmènerai peut-être John Stepps, John Coltrane, et j'emmènerai peut-être un boléro de Ravel.
Ou alors peut-être des valses de Chopin. Mais à 3 c'est court. Hein. 3 c'est sévère. Ah, 10 ça aurait été plus facile. Oui, mais... non, j'emmènerais. Ah, j'emmènerais. Ouais, tiens, il y en a un vraiment que j'adore. C'est que j'emmènerais un Gainsbourg, tu vois. Un Melody Nelson ou un Tête de Chou ou un Aux Armes, etc. Qui est incroyable. Comment vous êtes arrivé dans la chanson? Bah, musicien, ensuite écrire des bêtises, ensuite d'abord des conneries, ensuite oser écrire des vraies chansons entre guillemets avec pas forcément drôle, ensuite les chanter parce qu'il faut bien les chanter, donc devenir chanteur, puis monter sur scène et avoir peut-être un peu trop de pudeur pour oser chanter des trucs aux gens sans avoir peur de les faire chier. Donc peut-être cette espèce de nature d'humoriste qui fait que Il y a des gens dans la vraie vie aussi qui sont comme ça, c'est-à-dire que quand ils parlent aux gens, ils ont besoin de les faire marrer, ils ont du mal à leur dire simplement un truc premier degré, quoi. Ils ont... J'ai un peu cette tendance, j'ai peur de faire chier les gens, donc naturellement, j'ai tendance à surjouer les trucs, à chercher des feintes et tout, et du coup, bah, de la chanson, je suis passé au spectacle. Enfin, la base, la matière première de ce que je fais, c'est des chansons quand même. Mmh. Alors... Je comprends. Pour une chanson, vous êtes plutôt... qu'est-ce qui vous touche? C'est plutôt la beauté du texte pour vous? C'est l'efficacité d'une mélodie? Le mélange. Mmh. Le mélange des deux quand il est réussi, ce qui est rare. Mmh. On entend beaucoup de chansons où le mélange n'est pas forcément réussi. T'écoutes, je sais pas, Paris s'éveille, le mélange il est incroyable avec la flûte, la mélodie majeure mineur, c'est la Villette, on tranche le lard, il y a deux accords, c'est Paris, t'es vraiment à Paris le matin, c'est incroyable le climat qu'il y a là-dedans, c'est... Voilà, moi je crois que c'est le mélange, voilà. Et puis après, il y a effectivement des textes hallucinants, genre comme ont pu faire des contemporains, comme Le Prest, comme il y a des trucs super beaux et tout. C'est, voilà quoi, c'est ouais, c'est des... La chanson, c'est un truc quand c'est réussi, c'est puissant hein, quand même. Hein. À ce niveau-là, vous êtes plutôt Gainsbourg ou Béart? C'est un art la chanson? Ouais, je crois que c'est... Ouais, on dit que c'est un art mineur, machin, et tout, c'est un truc qui est pas facile, hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que t'as pas beaucoup de temps, tu manies plusieurs disciplines, tu composes, t'écris un texte, t'as vite fait de la rater, une chanson, t'as vite fait de la rater, parce que une chanson, super texte, super musique, super alliage, un couplet de trop à la fin, pim. Bon, elle existe, hein, elle va être jouée, machin, mais elle passera pas le... Et quand tu fais des baloches, ou que tu fais danser les gens, que tu joues que des vieux tubes, même de la variété, tout, ça m'arrive de faire ça avec des copains, parce que moi j'adore faire mes spectacles, tout, mais j'ai besoin de faire d'autres trucs à côté, où je m'oublie un peu, des fois je suis juste bassiste derrière, j'adore accompagner les autres, par exemple. Je suis pas genre, si je suis pas devant, je suis malade, au contraire, j'adore aussi accompagner, être au service d'un autre truc. Et quand tu déroules tous les machins, mais les clos-clos, les bidules, la Johnny, le truc, le Joe Dassin, le truc... je prends des exemples, tu vois, c'est quand même toutes ces chansons qui sont dans les listes types des balles et tout, des vraiment les tubes, tu t'aperçois que c'est des chansons qui ont vraiment un truc en général, c'est pas pour rien, quoi. Mm-hmm. Même les trucs les plus niais, il y a un truc, quoi. Mm. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant de les jouer, parce que ça tu fais, tiens, ouais. C'est vrai. J'ai une grave question, une chanson triste, est-ce qu'elle doit être forcément en la mineur? Non. Non, elle peut être en do mineur aussi, ou en si mineur. Oui, j'allais dire en si mineur si on met le capot à la deuxième case. Ou en fa dièse mineur. Mmh. En fa dièse mineur. Fa dièse mineur, ça, ça se pose là, le fa dièse mineur. Mmh. Est-ce que vous avez le tract à avoir monté sur scène? Ouais, quand je vais faire un truc que je maîtrise pas bien, mmh, ou que je suis pas sûr. Par exemple, ce soir, j'avais une setlist qui était pas super calée, parce que c'est pas exactement ce que je fais en ce moment. Mmh. Et je suis en train de glisser justement vers ce spectacle solo que je vais faire après. Donc j'avais un mélange de choses que je fais, des choses que je faisais, des choses qui sont toutes récentes. Et donc, tout à l'heure, dans la loge, là, j'avais une super chambre au-dessus, là. J'étais sur le lit avec mon carnet en train de me creuser la tête. J'avais 26 ou 20, 30 chansons sur le papier. Je disais, il faut qu'il n'y en ait que 18. Alors, lesquelles, nanana. C'est pas du trac, mais quand même de la gamberge, quoi. C'est pas genre, t'es tranquille, t'attends l'heure et tu sais que tu vas dérouler ton truc qui est calé. La renommée, la... Mais le track à en être malade, non. Ouais, non, parce que, j'aime bien la scène, j'aime bien les gens, j'ai un naturel
qui est porté vers ça, donc c'est pas du tout une épreuve. C'est même limite, quand j'en fais pas pendant longtemps, il me manque, c'est un peu mon sport, il me manque un truc quoi. J'ai besoin de cette circulation de fluide entre toi, les gens, et pas seulement toi qu'on voit, les gens envoient des trucs, cette circulation est super importante quoi. La renommée, la médiatisation, c'est important. Ça peut le devenir, parce que c'est surtout ce qui est sympa quand vous avez un peu de renommée, c'est que c'est pas uniquement qu'on vous reconnaît à la boulangerie, je veux dire, c'est que soudainement on vous propose des choses à faire, quoi. Tu vois, moi si j'étais un peu plus connu, il y a 15 mecs qui seraient venus me demander des musiques de films. Ça m'est jamais arrivé, ça m'amuserait terrible d'écrire des musiques de films, mais j'en serais capable. Sauf qu'un mec il va pas te prendre pour faire une musique de film. J'ai des copains qui sont plus connus, qui ont fait des musiques de films, et c'est pas a priori pas leur boulot, ils sont moins musiciens quelque part, tu vois. C'est un exemple, tu vois, où tu vas être invité sur un projet, sur un truc. Ça ouvre des perspectives. Quand t'es dans ton truc et que ça passe pas, t'es un peu dans ton truc, tu fais ton truc, et puis voilà. Et puis l'autre avantage, c'est que tu peux, quand t'es plus connu, tu peux organiser des vraies tournées. C'est-à-dire que pendant 4 mois ou 6 mois, tu tournes, tu fais plein de dates, tu dors dans un bus, c'est la totale. Et quand c'est fini, tu rentres chez toi et t'es tranquille pour écrire la suite et tout. Alors que sinon, toi, t'es tout le temps en mouvement. Tout le temps, jamais t'arrêtes. Tu commences pas vraiment et t'arrêtes pas vraiment une tournée. T'as l'impression que ça fait 20 ans que tu tournes. Alors là, en général, les gens ils cherchent, dès que je fais la gratte, ils retrouvent, ils font ils disent un guitariste avec des moustaches, un prénom qui commence par un G, un nom qui commence par un B. Tchoup tchoup, bololo, give me the night. George Benson, bien sûr. Sur mon dernier album, il y a une chanson cachée, qui est une chanson que j'ai écrite et offerte à Bruno, à Benabar, mon pote, quoi. Parce que je voulais le remercier, il m'a aidé pas mal sur cette tournée et tout. C'était un moyen de lui faire un cadeau. Je lui ai offert une chanson qui s'appelle L'orgue de Benabar Barry, où j'ai écrit et j'ai un type qui a perforé et qui a fait le carton de la chanson. Et je lui ai offert la chanson audio, mais je lui ai aussi offert le carton perforé. Donc je lui ai offert physiquement une chanson, qui est un bout de carton avec des trous. C'est mignon. Elle est en cachet sur mon dernier album. Et les gens qui m'aiment bien et qui connaissent Benabar et qui vont être touchés par cette chanson, ils vont aller l'écouter. Ceux qui sont contre foot, ils mettent l'album, ils vont s'éclater, j'espère, sur les 12 ou 13 chansons de l'album, ils n'iront pas chercher celle-là. C'est sympa finalement, c'est un espèce de petit tiroir en plus, je dirais. Super, je trouve. Je vais finir par deux questions à la ronde. Ouais. Deux questions à la ronde. Qu'est-ce que vous faites d'abord, les paroles ou la musique ? Je fais souvent une idée, ensuite ça peut devenir un petit bout de couplet, ça peut devenir un refrain, ça peut devenir... Des fois je suis hanté par une musique, ça m'arrive. Sur mon dernier album, une chanson qui s'appelle Le Pansement, c'est la musique, j'avais d'abord fait la musique qui était un petit thème de swing, un peu clarinette, très léger, un peu années 30 et tout. Et puis après, j'ai écrit ce texte et j'ai fait le mariage de ce texte avec cette musique. Mais souvent, c'est une histoire, un mot, une expression, une situation, un portrait, un truc. Ça commence par du papier. Mais c'est pas une fois que c'est fini le texte, je prends une guitare ou un piano et je commence à le mettre en musique. C'est pendant que je griffonne le texte, quand je cherche les phrases, la musique commence à germer dans ta tête. Et à la fin, ça se finit dans un espèce de mariage, quoi. Et souvent, la composition va rattraper assez vite l'avance qu'avait pris le texte au début. Tu vois, c'est pas vraiment ping-pong, quoi. C'est hop, 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 puis le truc arrive derrière et il se rattrape. Et là, d'un seul coup, tchouk, 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 ça avance et ça finit ensemble. C'est l'alchimie qui se crée. Si possible. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et ça n'empêche pas que les chansons vivent, mais c'est très rare qu'on mette le doigt sur ce mélange suprême, quoi. Et puis la dernière question à la ronde, hein, c'est Eric Toulis et Dieu dans tout ça. Oh la vache. Ah oui. Non, c'est pas obligé de répondre. Je peux vous retourner la question, est-ce que ça vous arrive d'avoir le trac Chancel, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, merci Eric. Hein, pas mal, non? Ouais, c'est bien. Ouais. Bon. Belle fin. Merci Eric, à bientôt. On va aller semer un peu. Là. On va essayer de les semer, quoi. On va essayer de les semer. Hein? Allez, merci. Et quand je parle à la
chasse. J'en mets deux, trois dans ma besace, car faut pas confondre copulation et ramassage de champignons.